dingue jeunesse gina ki no ramay ki marinde ya fori assalam alaykum abar bu mu ngui ramenuma bas guinera capitale mune mo rede madi ramé alay ma mahmoud camara assalam alaykum bas guiné fori moyene guiné fori guiné fori sier fori route guiné fori assalam alaykum Kumbara tu yume fanto mota muna sali sindendi pota na ribara sali ala habara ifi umamu fanfa fa sali inshallah dans quelques heures ala yume big big fi umma si mayan sante ya kui reya bukui boy sa kui sotura kui harge fule nyukui ala kana yume big big masi gumbe ala kang kang ka hammeri masalebe iwa gumfira ya rabbi na tulumati fanye Assalamu alaikum. Ma France, je vous salue. Awa. Ouro, mbara fa. Mbara. Nouvelle indéfibi. Concernant le contrat de Takuba. Et l'autre, ça, tellement que je suis contre eux, je suis contre eux, ça reste pas dans ma tête même. Berkane, voilà. Takuba et Berkane. Mais, les Guinéens, c'est une femme sunnate qui vous parle. Oui. Je vis ici aux États-Unis. Je vous ai maintes fois dit dans mes vidéos. Je n'ai pas fini mes études en Guinée. Mais ici, ce que je veux, de quoi j'ai cherché à être, je suis de ça aujourd'hui. Quiconque vient attaquer les Américains, vous me verrez devant vous. Pour la défense des États-Unis. Oui. Parce que de quoi je suis aujourd'hui, c'est grâce aux Américains. God bless America. Après ça, mon pays natal, pour vous montrer, c'est ma respiration. Oui. C'est ma respiration. Ce que j'ai dénoncé ici hier, j'ai dénoncé combien de temps des choses anormales dans le pays depuis le temps du professeur Alpha Condé. Que vous avez vu des preuves. Je vous dis tous les présidents guinéens qui sont morts, qui sont vivants, leur entourage, c'est des poisons. Ce que j'ai dénoncé ici est 100% clair. Oui, moi j'aime mon pays natal comme ma respiration. Et je vous ai dit hier, je ne parle pas sur l'armée guinéenne. Non, je fais partie d'un corps aussi ici. Je ne parle jamais sur l'armée guinéenne. C'est pas parce que je suis contre eux. Non. Je le respecte. C'est mes papas, c'est mes frères. Je le respecte. Les femmes aussi. C'est mes mamans, c'est mes soeurs. Je le respecte de n'importe quel corps. Parce que je fais partie d'ici aussi. Donc on se respecte de l'un de part d'autre. Pas parce que je ne parle pas sur vous que je suis contre vous, non. Mais ce que j'ai vu hier, je ne pouvais pas cacher ça. Je ne pouvais pas. Quiconque sera mêlé dans l'affaire là seront tous exposés comme les noms dont j'ai cité ça ici hier. Vous pensez que moi je peux venir ici vous mentir sur des sujets pareils là, je ne le fais pas.
Je suis née musulmane. Je viens de deux familles nobles. Je suis croyante. Je ne m'amuse pas avec ma langue. Concernant mon combat de mon pays, oui. Vous voulez la vérité? Ça a commencé à sortir. Le Mali, le gouvernement malien est attiré. Leur attention est déjà attirée. Il y a les sites qui commencent à écrire. Yeah. La signature dont Idi Amin a fait, si vous voulez la preuve, si Idi Amin se retourne en Guinée, allez-y, formez une délégation et partez lui demander pourquoi il a fait ce déplacement-là, Guinée-France. Concernant quoi? Concernant sur quoi? Pourquoi Idi Amin a fait ce déplacement-là? Et là où Idi Amin est logé, dans son hôtel, c'est pas n'importe quelle personne que les blancs logent comme ça. Vous savez comment la photo là est sortie? Vous avez vu la photo. Vous avez vu des personnalités avec qui Idi Amin, général Aboubakar Sidi Camara, alias Idi Amin, est avec eux. La délégation qui sont là-bas, autour de la table. Je ne peux pas venir face à ma caméra ici pour vous donner des fausses rumeurs. Non, moi mon combat est noble. Oui, mon combat est noble. Si je voulais de l'argent, c'est le gouvernement d'Alpha Condé qui pouvait me faire rassasier de l'argent. Mais j'ai dit non. Et je vous signale, Alpha n'est pas n'importe qui pour moi. L'aventure d'Alpha Condé n'était pas là. Il n'était pas dans l'aventure, en aventure à Malinké. Il était en aventure en Soussou. Si vous ne savez pas, je vais revenir vous expliquer ça aussi. Alpha n'est pas n'importe qui pour moi. Mais lui, je ne l'ai pas pardonné. Parce que moi, mon pays, c'est ma respiration. Même quand Mamadi Doumbouya a nommé mon grand frère, mon step-frère, M. Ebsila, je l'ai dit, j'ai fait une sortie face à lui. Je l'ai dit, si vous avez nommé Ebsila pour fermer ma bouche, vous vous trompez. Mon nom ne fait pas partir sur la liste de son héritage. Non. L'armée guinéenne, l'héritage d'un homme, c'est ses enfants. Je ne parle pas français comme vous, mais je me force à parler. Oui. L'héritage d'un homme, c'est ses enfants, pas le bien. Le vent peut venir tout de suite racler toutes les maisons. Le problème peut arriver, perdre tout l'argent. L'héritage, c'est les enfants. L'héritage d'un pays aussi, c'est les enfants. C'est nos ressources humaines. Que tu sois Soussou, Peul, Malinké, Forestier, l'héritage d'un pays, c'est ses enfants. Une femme illettrée qui vous parle. Oui. Idi Amin a mis Mamadi sur une mauvaise route. Mamadi était aujourd'hui et hier, depuis qu'il a regardé la vidéo, il a compris ce que j'ai dit. C'est vrai, parce que moi je le regarde comme ça. Dans le palais, je vous ai toujours dit, même Alpha Condé, sauf si il partait aux toilettes que je tourne, sinon je leur regarde comme ça. Si général Idi Amin se retourne
former une délégation et aller lui demander concernant son voyage sur la France. Vos parents sont là-bas. Tous les militaires ont leurs parents. Mais cherchez à fouiller. Là où il est logé, vous pouvez comprendre pourquoi Idi Amin est à côté de cette délégation. Voilà. Eh, Maurice Sanda Kouyaté connaît de l'affaire, ministère des Affaires étrangères. C'est Lansana Kouyaté qui a foutu tout à l'air. Ce monsieur-là, je regrette même qu'il soit né par une femme soussou. Paix à son âme. Parce que c'est notre ennemi. C'est notre ennemi. Lansana Kouyaté n'a pas aimé le lait qu'il a tété. Un bon soussou, on dit que Marie Babata n'anga kanera. Mais c'est autant qu'on a merdé. Donc moi, je n'ai aucun intérêt à venir vous donner des fausses rumeurs ici. Bientôt, Takuba et l'autre Berkane, ils vont rentrer en Guinée. Vous savez combien d'argent Idi Amin a reçu dans ça? Vous ne le savez pas. Les Maliens fouillent. Eux, ils ont commencé, ils ont ouvert maintenant leurs yeux sur ça. Et je félicite le président de la transition malienne, président Kouita. J'aime les présidents pareils là. Comme le président de Guinée-Bissau. J'adore les présidents là. Ambalo qui a nettoyé, président Ambalo qui a nettoyé la terrasse de Guinée-Bissau. Sur le cas de drogue, oui. Le président malien qui a déterré la base française sur leur territoire malien. Je l'adore. Je leur supporte. Je leur encourage encore. J'aime les fils pareils là. Pourquoi Mamadi Doumbouya n'a pas été de tel? Juste pour se maintenir au pouvoir, président Kouita pouvait continuer. Il pouvait faire la même chose. Renseignez-vous comment la base de française a été installée. Ça a été fait. Ça a été fait rentrer par quel président? Il faut qu'on félicite le président malien, qu'on l'encourage, monsieur Kouita, pour avoir déterré tous les djihadistes que vous voyez aujourd'hui en Afrique, sur les Sahara. Vous pensez que c'est des musulmans? Non. Dès que la base là rentre à quelque part, c'est eux qui vont former des djihadistes. C'est eux. C'est eux-mêmes qui vont former. Qui a formé? Qui a créé Boko Haram? Fouiller. Tous les djihadistes qu'on arrête, vous leur regardez deux fois, ils ne sont pas tous des musulmans. Mais qui crée les gens là? Ils sont créés par qui? Mes frères et sœurs, l'armée guinéenne est bannée. Mamadi Doumbouya a égorgé. Il a compris ce que j'ai dénoncé hier. Ça, c'est un secret d'État que j'ai dénoncé hier. Il a fait retraiter combien de militaires dans l'armée? Jusqu'à ce qu'ils ont fait retraite et les erreurs, mettre le nom de Ousmane Bafoué, Ansoumane Bafoué, sur la liste des retraités. Il a fallu qu'il se retourne encore et corriger. Tellement qu'il est, Idi Amin est rempli, il est rempli de haine. Vous pouvez imaginer ça? Ils ont signé.
Ils ont signé. L'armée guinéenne sera éliminée bientôt. C'est la base française qui sera sur votre terre. Comment nous allons faire? Le seul pays que la France a colonisé en Afrique et ils n'ont pas pu maîtriser durant 50 ans, 60 ans, sauf la Guinée. Parce qu'on a eu des présidents forts. Malgré tous nos présidents passés qui sont décédés, paix à leurs âmes, qui sont en vie, ont été tout le temps, ils ont été des hommes durs. Qui pouvait faire ça? Alpha pouvait le faire parce que lui déjà il a fait 40 ans là-bas, mais il dit non, pour ça il faut le s'allier. Alpha Condé, oui, 40 ans il était là-bas. Des choses pareilles là, c'est Alpha qui devait faire ça. Oui, parce qu'il a fait 40 ans et quelques, mais il n'a pas fait. Mais pourquoi? Maman dit, toi tu as fait un peu de temps en France et puis tu oublies et la terrasse de tes ancêtres. Pourquoi? Pourquoi Maman dit a fait ça? On pouvait s'attendre ça à Alpha Condé, mais il n'a jamais fait. Feu président Mercé Outoré n'a jamais fait. Feu président Lansana Conté n'a jamais fait. Même Dadis, il n'a pas fait. Mais pourquoi? Idi Amin peut oser jusqu'à ce point. La signature là. La signature là. Comment gommer ça? Comment ils vont gommer ça? Je veux vous dire, je vous demande. Ça, c'est un grand problème. Ça, c'est un grand problème. Ça, c'est un grand problème. Je ne m'attendais pas ça à Mamadi. Mamadi Doumbouya n'est pas moi mon ennemi. Le seul problème qu'il a fait à mes frères, je me suis arrêtée ici face à lui. Mais deux fois dans mes vidéos, je le conseille. Parce que c'est un fils d'autrui. Mais concernant de mon pays, je ne pardonne personne pour ça. Ils ont signé le contrat là. Le contrat de la base française en Guinée. C'est bien signé. Mamadi et docteur Mohamed Yani, le chat millionnaire, il a fait combien de temps là-bas? Vous l'avez une fois vu partir faire des visites pareilles là? Non. Non. Mais pourquoi? À l'absence de l'Assemblée guinéenne, pourquoi ça? Maintenant, c'est Idi Amin qui est sur notre mine. Maintenant, c'est Idi Amin qui a vendu l'armée guinéenne, c'est Idi Amin qui a donné l'occasion d'éteindre notre armée guinéenne. Où les militaires là vont mettre leur tête. Pendant que les Guinéens traversent la conjoncture qu'on ne peut même pas expliquer. Il y a des familles qui ne peuvent même pas manger trois fois par jour. Il y en a. Donc, c'est la vérité que je vous dis ici. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Mamadi a été trompé depuis le premier jour de son arrivée au pouvoir. Dans Sanakouyate a appelé Idi Amin. Idi Amin était à l'extérieur avant qu'il rentre. Il a appelé Mamadi de mettre les professeurs Alpha Condé dans les mains des enfants d'aller le montrer. Il a appelé Alaï Selouda Lengallo. Mais président Selouda Lengallo dit non, je ne me mêle pas dedans. Vous pouvez témoigner sur les faits. Alaï Selouda n'a pas fait appel
Sinon, vous pensez que l'image, les gens qui étaient là-bas, derrière et sur les rues, en train de filmer Alpha Condé, prendre les photos, vous pensez que ça, c'est la population de Bambéto? Ça allait être une foule. Depuis ça, moi, je suis sortie contre Mamadi. Je me suis retirée de tout. Parce que moi, je m'amuse tout, sauf à mon pays. Oui. Mbire ma sibiri na mbire ma nengira ngwanyi hafira. Mukara ngwanyi di. Mukara ngbine. Mwana kankon. Beki namfindir nara. Donc, mriyo fa giri giri di Amerike manti me yarni. Me ngwanyi mbardi. Nyengina nana nafanago. Nyengina nambardira. Rina rankene mangena rankene. Isge san. Nde tungwe fa nome je m'en fous. Hafa. Abiri la Guinée, Mbiri Manara. Moi, mon combat, pas de lâcheté dedans. Mon combat est digne et c'est salutaire. Et n'a mené Nyamane. Nyamane ke mounana foudira. Nyamane ke na Nyamane di nana. Nyamane ke na Nyamane di ori nana. Mouwayem la Guinée armé fari. Be blogueur et bilouwayem mi fari. Wokeli wokeli mi. Non, non, non. Je me pense une seule fois au temps du président Alpha Condé. Mais je ne leur touche pas, ce n'est pas parce que Ragna Kouma. Ni Binyamane ba, et n'a doumane, enfin n'a doumane. Ni Binyamane. Mais n'a rien, il y a tout. Mon nom a doumou de fou, mais n'a fala. Tout, on de n'a rien tout. Mali est bari tout lui qui dit. Parce que il est coulon. Et racite, il est bari, c'est Outa no ma bezon de na fuli mundumma hango ko bardé tongo wona sori éliminé ou sa fa français la Guinée a quel problème pour inviter la base française en Guinée? Il y a pas de guerre entre la Guinée et n'importe quel pays. On n'a pas de rébellion, on n'a pas de djihadiste problème. Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi cette signature entre la Guinée et la France? Jusqu'à ce que vous invitez la base française sur notre terre. Pour quel intérêt? Juste pour que Mamadi, toi, tu te maintiennes au pouvoir? Non, Mamadi. Là, il m'a dit, attends, Abena. Il m'a dit, Mbé. Il m'a dit, Mbé, là, il m'a dit. Il dit, il m'a dit. Ni kuma, ni critiquer là. Mais il y a des gens qui ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Mais il y a des gens qui ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Même dans mes vidéos, je conseille Mamadi. Là, il m'a dit. Je tire les oreilles de sa maman. Mais il n'écoute pas. Vous pouvez que je ferme ma bouche sur ça là. Si je fasse ça, donc j'ai trahi mon pays. J'ai trahi mon pays. Il faut que je vienne exploser ça. Pour que tout le monde ouvre ses yeux. Et puis, les militaires n'ont qu'à attendre l'arrivée de Idi Amin. Pourquoi? Les photos sont sorties. La preuve commence à sortir. Vous attendez. Il y a des choses qui vont tomber. Donc, nanara, ma femme a bégo, mbardé tangafé, ma fayi, ginnani tamfiloba ou enfora falasira, non, mouna tanabama, mbardé rafamal ou mi. Yo. Mbardé rafamal ou mi. Yo. Donc, quand mbardé tout tonyege, mangayo yira. Afin de dire que Halinga Kirini, ni ma semane, ni lolo mane, ni ke wali falamane, ni ke wali yaba mane yamane dibe. Ye y contrara d'angerne, signerne. La Guinée armée se lamente. Oui, sa mamindin,
la condition de vie na di na rigue garandi e muna wali fi e ha condition de vie min ding muta nyonga mal mamadi ha fa anyo umane funikira dingi bon sa soto yo dingi bon sa soto me na ma kui ni bira ke hay nan tu fora matam idi amene kele na ma fa mai mamadi fadi no e logo logo fonyi mo fa lawe a fa ramane idi amene mamadi fa ramane den dibiri la ginera ni masemane den dibiri la ginera ni masemane parce que mbardina nanara donc na ma signe nan nani nga fiuma promati fanye uno la la gambara ifuma o vido tan ba una mere baru atitara utana sanyera so ma bon utana re ta umma wo khibari tan akhabira arme mhi tuli e ga delegation formé e di amen nafa e ga sa kuro khere sa faut pas qu'il aille revenir ou faut pas qu'il se retourne avec des faux papiers parce que ça va pas arranger. Si la base rentre, ça va vous surprendre. Et j'ai lancé le message depuis ma première vidéo, là où je porte la robe rouge-jaune. J'ai lancé le message au président Macron que ça ne va pas marcher. Nous allons nous battre comme le Mali l'a fait. On n'a pas besoin de l'armée française chez nous. Donc, au vidéo Taroum, au vidéo Taroum, ala rafengo birim babaraira baba tande girinara baba tande girinara o muno matinde o manya mane haguru to nyege kwi to nyege na kam fama fitine raso de bo kwi ge fa ko yo mara o ngoni giremo o ngoni giremo o numa etaki sese nan ko nanara mama dinna ang fala mebe et so se dire na reso o se na reto de ra chance de ne ra kanta ira chance biri et so se dire na reso o fe na reto de parce que alia mbara fula dunia rahmani birimbe imalia tan sur o fefe beta mamora coup d'état oui tous les officiers malinke sont dans ce coup d'état échoué alia mayama alia ne fait pas partie de ça. Ali a moyen coup d'état échoué Yama. Tu as juste peur de commandant Alia Kamara. Le militaire académicien, tu as juste peur de lui. Iga Unayara est en Sougounanama. Iga Wayara est Sougounanama. On l'a imadi. Hakasi narokoli. Mbaragena ri tantoudi naki inana. Inari wolari yema et kulongri. Ina ri tantongo na kira gatari kasene soto e kulu matambalum binan bo masibirim barema na talina sahibe salam alaikum tulmani tifanye alhabaraifu.